As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this not being too faithful, so young and dumb I never learned it. Mama told me you should never play with the heart. Maybe I should told you this right from the very start. Baby, I was tired of you playing my broken heart. Now it's you that want to restart. But I am so, so dumb without... Donc je suis très content d'être ici en Suède. C'est le premier pays scandinave que je fais et j'avais envie de découvrir parce qu'on en entend moins parler. On en entend parler, mais tu sais, comparé aux autres pays de l'Europe qui sont plus visités, ici on vient un petit peu moins, sûrement à cause des prix aussi, c'est un petit peu plus cher. Mais j'avais le goût de voir c'était comment ici, si c'est différent, si c'est la même chose. Comme vous le savez, j'aime vraiment beaucoup les burgers. Puis, comme dans chaque nouvelle ville, ce que je fais, c'est que je cherche la meilleure place de burger. Donc, j'ai trouvé une place pas loin. On va aller goûter, voir si c'est dans mes top. Donc, premier repas ici. Donc, je suis tout seul. Je suis chez Frankie's Burger. Il y a personne d'autre. Donc, première expérience. Je sais pas s'il y a personne parce qu'ils mangent plus tard ou si c'est juste moi qui mange un petit peu tôt en ce moment avec le décalage. Je suis un petit peu déréglé. Mais j'imagine que le burger va être super bon parce que selon les commentaires, c'est une place vraiment bonne. Donc le burger était bon, pas si incroyable, mais il était bon. Donc ça va me donner une chance de goûter à d'autres ici pendant mes 4 jours. Pour vrai, assez sympathique les personnes. J'ai eu une très bonne expérience à l'aéroport, même pour sur l'autobus, ils m'ont aidé à aller chercher l'autobus. Dans l'autobus, ils m'ont aidé, ils sont venus me voir quand c'était mon arrêt et tout. Et maintenant, au restaurant, c'était la même chose. Donc, ils m'ont bien servi avec un grand sourire. Donc aujourd'hui, c'est ma première vraie journée ici à Stockholm. Donc je viens de sortir de l'hôtel. Et aujourd'hui, je vais faire le tour de certaines îles. Ici en Suède, il y a beaucoup, beaucoup de musées. Puis je m'en vais justement sur une île où est-ce qu'il y a beaucoup de musées. Il y a beaucoup de monde qui se promène avec les trottinettes électriques ici. Quand j'étais allé au Portugal il y a 6 ans à peu près, il y avait beaucoup de monde qui les utilisait. Et je sais qu'au Canada aussi, on a fait, en tout cas à Montréal, on a fait l'essai et ça n'a pas marché. Mais ici, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui les utilise. Donc, je suis sur l'île des musées. Et ici, il y en a pour tous les goûts. Donc, juste ici, on a le musée Levassa, donc le navire qui a coulé. Là-bas, l'édifice qui est super cool, c'est le musée nordique. Et plus loin, pour ceux qui aiment la musique, il y a le musée de Abba aussi. Il y a le musée des Vikings, il y a plusieurs musées, donc moi je vais en choisir peut-être deux qui vont m'intéresser. Je me suis finalement décidé pour le musée Vasa. Vasa qui est le navire suédois, donc au 17e siècle, qui a coulé dès son inauguration. Et il est resté pendant 300 ans dans l'eau. Et 98% du navire, ils ont réussi à le sortir puis venir le mettre dans ce musée ici. Dans ce musée, on peut voir un petit peu sur l'histoire de la Suède, de Stockholm. Et ensuite, tout ce qui a rapport avec le bateau, avec le Vasa, donc comment il a été construit, pour quelles raisons il a coulé. Et comment ils ont fait pour récupérer le bateau qui était au fond de la mer. Thank you.
finalement, je suis dans le musée nordique. Puis je pense que c'est votre meilleur choix si vous voulez découvrir sur la Suède. Parce que si on vous présente comment les gens vivaient ici, l'histoire, comment ils vivent aujourd'hui, comment ils combattent le froid, ce qu'ils mangent. Une des meilleures parties du musée, c'est la maison des années 40 suédoises qu'on peut visiter. Donc on peut rentrer dans cette maison fictive. On peut se promener, voir un petit peu les couloirs, voir un petit peu la cour où est-ce que les enfants s'amusaient. Et on peut rentrer dans la maison aussi et visiter les pièces intérieures, donc la cuisine, le salon et les chambres. Un peu plus loin dans le musée, on peut voir des affiches publicitaires des différents pays scandinaves qui invitaient les gens à venir s'installer dans leur pays ou même à visiter le pays. Finalement, au deuxième étage, il y a une section sur comment la culture, la mode britannique a influencé la Suède. Je viens de sortir du musée du Nord et je l'ai malheureusement pas trouvé incroyable. Il y a beaucoup de choses à lire quand même, mais je trouve que c'était pas assez interactif. Donc c'était tout sombre, donc ça m'a endormi un peu. Là je vais marcher, je vais aller voir de quoi a l'air le reste de l'île. Puis ensuite je vais m'en aller vers l'île la plus cool. Donc, assez marché, je me suis arrêté ici, juste à côté du musée de Abba, que je vais pas faire malheureusement. Mais je me suis arrêté prendre un petit peu de Fanta pour me donner un peu d'énergie pour pouvoir continuer de marcher. Sur cette même île, il y a un parc d'attractions. Donc, si vous avez des enfants ou vous êtes avec des enfants, ça peut être très le fun. J'ai traversé en bateau. Tantôt, j'étais juste sur l'île d'à côté, là où est-ce qu'il y avait les musées. Il y a le bassin qu'on voit d'ici que j'ai fait. Et là, je suis en train de marcher. J'ai traversé en bateau. Ici aussi, sur cette île-là, il y a des musées. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la traverser en marchant. Puis, je m'en vais sur l'île d'à côté qui s'appelle Gamlastan, qui est la vieille ville. Donc, dans le fond, où tout Stockholm a commencé. Ce qui est intéressant ici de Gamlastan, c'est que c'est là où tout Stockholm a commencé. Donc c'est là que les bâtiments plus vieux, c'est là qu'on retrouve aussi le Parlement. Il y a aussi des maisons de couleur, donc ça c'est cool, tu les vois de l'eau, de l'autre île à côté, tu vois toutes les maisons de couleur. Et il y a beaucoup de petites ruelles aussi qui sont intéressantes. Il y a entre autres la ruelle la plus petite de Stockholm qui est ici, et on va aller faire un tour. Je suis devant la ruelle la plus étroite de Stockholm. Elle fait par moment 90 cm de large et on dit que si l'on descend toute la ruelle en touchant les deux murs avec les deux mains sans lâcher, on peut faire un vœu à la toute fin. Sur Gamlastan, il y a aussi le musée du prix Nobel. Donc, M. Nobel avait créé la dynamite ici en Suède.
Et c'est ici ensuite qu'on remet les prix Nobel à chaque année pour les meilleures inventions et d'autres prix internationaux. Je suis ici devant le Palais Royal. Donc tout ça, c'est le Palais Royal. Et là, je vais rentrer. On dirait qu'ils sont en rénovation. Une autre très belle journée aujourd'hui, beaucoup de soleil, ciel complètement bleu. Et je me retrouve encore une fois ici au port, donc où est-ce qu'il y a les bateaux. Et je vais faire une activité aujourd'hui, je viens de prendre un petit tour sur le bateau de 50 minutes, 1 heure pour relaxer un petit peu, profiter du soleil et voir un petit peu. Je pense qu'on passe devant les mêmes choses que j'ai faites hier, mais on s'en va plus loin, on va faire le tour d'une autre île également. Terminer le bateau, puis qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller prendre le FICA. Donc FICA, c'est très 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 connu ici, puis dans le fond ce que ça veut dire, c'est en verlan, ça veut dire café. Donc ici les Suédois aiment beaucoup prendre des pauses café qu'ils appellent la FICA, et c'est ça que je vais faire maintenant. Donc je suis dans Gamlastan, encore ici juste devant, je vais rentrer, je vais essayer de trouver un petit café assez cool avec une bonne vue. Il y a une histoire bien cocasse avec le café. Donc une légende dit que le roi Gustave III détestait beaucoup le café et il a pris deux jumeaux qui étaient condamnés à mort et il en a forcé un à boire 3 tasses de thé pour le reste de sa vie et un autre de 3 tasses de café chaque jour pour le reste de sa vie. Et il voulait prouver que la personne qui allait boire du café allait mourir en premier. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que le roi Gustave est mort en premier. Ensuite, ça a été le tour de la personne qui buvait du thé. Et finalement, la personne qui buvait du café est morte en dernier. Après ce jour, il paraît que les Suédois ont commencé à boire plus de café. Je suis en train de traverser l'autre côté, à l'île de Södermalm. Et je m'en vais là-bas dans ce coin-là. Il paraît qu'il y a une vue magnifique. Normalement, c'est pour voir le coucher du soleil, mais ici en ce moment, le coucher du soleil est vraiment tard, il est à 22h à peu près. Donc moi, je vais y aller maintenant, voir qu'est-ce qu'on voit de là-bas. Donc j'y suis. Ici c'est une très belle place pour prendre une photo et pour voir Stockholm de haut comme ça. Et aussi il y en a qui s'amènent un petit lunch pour manger avec la bonne vue. Et on peut continuer également par là, il y a un petit chemin donc pour continuer la promenade.
Et finalement, en suivant le chemin et continuant encore plus loin, j'arrive à la place que je voulais vraiment venir. Ici, c'est un autre point de vue, mais il y a beaucoup plus de place que tantôt. Donc encore une fois, si vous voulez prendre une pause ici, le FICA, ici avec ce point de vue-là, c'est magnifique. Si vous venez ici, je vous conseille vraiment de venir à cette place plutôt qu'à l'autre. Il y a moins de monde, il y a beaucoup plus de place et la vue est formidable quand même. Donc vous marchez un petit peu plus et vous avez le droit à ça. Moi, mon aventure en Suède se termine ici et demain matin, je vais prendre le train. Ça va prendre 5 heures puis je vais atterrir à Copenhague au Danemark.